Bonjour à tous, on se retrouve pour une autre vidéo sur la chaîne Texama. Aujourd'hui, c'est la sortie de la première RTX 4000 Super, la 4070 Super. Et j'en ai évidemment une pour le test. C'est totalement une 4070 Super, comme vous pouvez voir, j'ai rajouté un autocollant. Non, je n'en ai pas pour le test, mais vous savez ce que j'ai. J'ai un accès à Internet et je peux regarder tous les tests qui ont été publiés et du coup juger cette 4070 Super pour répondre à la simple et bonne question. Est-ce qu'elle en vaut la peine? Est-ce que c'est la carte que vous devriez acheter pour à peu près 650 ou 660 euros? Vous aurez une table des matières dans la description pour sauter directement vers le sujet qui vous intéresse le plus. En attendant, commençons par les specs. Cette 4070 Super est basiquement entre une 4070 Ti et une 4070. Elle a 7168 CUDA Core, ce qui est beaucoup plus que les 5888 CUDA Core de la 4070. Et elle se rapproche d'ailleurs énormément de la 4070 Ti. Elle a même d'ailleurs le même genre de RAM, le même largeur de bus et la RAM est la même vitesse. La seule vraie différence que vous avez entre les deux cartes, c'est le fait qu'évidemment la 4070 Ti a un peu plus de CUDA Core et une fréquence un peu plus élevée. Et du coup, pour information, cette 4070 Super remplace la 4070 à son prix de 659 euros en euros, ou 599 dollars aux États-Unis, et la 4070 va baisser de prix elle derrière, même si techniquement elle avait déjà baissé de prix, mais on verra un petit peu ça. Alors, il y a pas mal de tests de performance qui ont été publiés en ligne, mais si vous parlez seulement français, je vous recommande en particulier celui de Cocotland, excellent site, ainsi que Overclocking, qui eux ont publié du coup des reviews des Founder Edition, mais aussi vous avez Cocotland qui a publié un modèle Zotac, donc ça c'est plutôt intéressant. Moi je vais vous montrer un petit peu des chiffres de trois publications un petit peu différentes. Vous avez Tech Power Up, vous avez Hardware Canucks et puis vous avez Hardware Unbox. Et du coup, globalement, ce qu'on voit, ce qui ressort, c'est que cette 4070 Super est très performante. Elle est vraiment pas très loin, comme vous pouvez voir, d'une 4070 Ti. Elle se place au-dessus d'une RTX 3090 qui évidemment consommait beaucoup plus et qui chauffait aussi beaucoup plus. Et aussi, encore une fois, on voit qu'elle est pas très loin de la 4070 Ti. Et aussi, elle est au même niveau de performance qu'une 6950 XT en pure rasterisation. Si vous lancez des jeux RTX, évidemment, la 4070 Super sera au-dessus. Donc ça, c'est très intéressant parce que, voilà quelques mois, la 6950 XT était encore en vente et c'était une carte graphique qui était vendue, mais basiquement de 600 à 700 euros. Et je l'ai énormément recommandé et je suis pratiquement sûr qu'il y a des personnes qui regardent cette vidéo qui ont une 6950 XT. Donc si vous avez acheté cette carte, en réalité vous êtes encore très bon, même encore en 2024, visiblement c'est à peu près le même niveau de performance pour le même prix. Mais pour ceux qui n'ont pas acheté, pour information, elle n'est plus vraiment en vente. Vous pouvez en trouver en vente, mais le prix est exorbitant parce que c'est les derniers stocks et ouais, basiquement elle n'est plus en vente. Un autre chiffre intéressant pour cette 4070 Super, c'est qu'elle consomme vraiment pas beaucoup, tout comme la 4070 ne consommait vraiment pas beaucoup, 201 watts en plein jeu. Ben cette 4070 Super est légèrement au-dessus à 218 watts ici sur Tech Power Up, ce qui est logique aussi parce qu'elle est plus performante, vous avez beaucoup plus de CUDA Core, mais au final elle est beaucoup plus efficace même au niveau énergétique que la 4070 Ti qui est elle à 277 watts, donc c'est vraiment une carte très efficace en termes de consommation et des performances qu'elle vous donne pour chaque watt. Et évidemment, qui dit consommation assez basse dit que c'est une carte qui est très bien refroidie. Tous les modèles ici, donc ça, ce sont les modèles qui sortent à 659 euros. Et comme vous pouvez voir, ils sont tous très bien refroidis. Le seul qui est vraiment pas très bon, c'est celui de Gainward. Donc là, je ne le recommande pas forcément. Il a 76 degrés comparé aux autres modèles qui sont clairement dans les 60 degrés. Et la Founder Edition est refroidie à 69 degrés. Nice. Donc comme vous pouvez voir, en termes de performance, c'est une très bonne carte graphique qui conviendra à la plupart des gens pour son prix de 659 euros. Il y a même au final aucune vraiment concurrence de la part d'AMD vers cette gamme de prix. Maintenant, il faut évidemment que ces prix soient respectés et que la carte soit en stock. Donc regardons justement à ça, parce que c'est pour ça que j'ai attendu de sortir cette vidéo le jour de la sortie, pas le jour des reviews. Mais comme ça, je pouvais tout simplement aller sur les sites de vente et regarder si je peut l'acheter et voir les prix. Et du coup, le meilleur indicatif, c'est de regarder sur LDLC parce que, on va être très honnête, LDLC n'est jamais vraiment le site le moins cher. Et comme vous pouvez voir, ils ont clairement des modèles à 659 euros et 95 centimes. Ils aiment bien aller jusqu'à la limite. Hein. Et du coup, vous avez plusieurs modèles qui sont disponibles et surtout, vous avez même des modèles en stock. Suite KFA2 notamment est en stock. Mais les autres modèles sont déjà dispo 7 jours ou en rupture. Donc ça, à mon avis, les modèles à exactement 659 euros ne vont pas forcément rester en stock très longtemps sur les sites les plus populaires en tout cas. Mais il semble y avoir suffisamment de stock, même sur les plus petits sites. J'ai vu qu'il y avait toujours des cartes graphiques en stock, donc
plutôt bonne nouvelle. Et évidemment, vous avez des modèles un petit peu plus, avec plus de fonctionnalités, meilleur refroidissement et tout ça. Est-ce qu'ils sont vraiment nécessaires? Comme on l'a vu avant, les modèles de base refroidissent très bien cette carte graphique. Vous aurez plus de possibilités d'overclocking avec ces meilleurs modèles, mais pour moi, ça ne vaut vraiment pas la peine. Vous pourriez peut-être mettre un petit peu plus pour un modèle légèrement meilleur. Je vois notamment, il y a une Gigabyte ici qui a un troisième ventilateur qui sera certainement mieux refroidi pour un peu plus cher, peut-être. Mais moi, je ne mettrai pas ce prix-là. Je mettrai juste le prix de base pour un modèle de base et ça suffira amplement. Et puis après, vous avez évidemment les modèles complètement aucun sens. Asus, qu'est-ce que c'est que ça? Déjà, vous avez du coup, pour l'overclocking, il suffit juste de payer 10 euros en plus. Mais la ROG Strix est vendue 899 euros. C'est le prix de la future 4070 Ti Super. À quoi ça sert de prendre une 4070 Super à ce prix-là, alors qu'on pourrait juste, dans quelques jours, avoir une 4070 Ti Super? Je ne comprends pas trop. Je n'ai jamais compris ces énormes modèles haut de gamme. Enfin, je pourrais les comprendre s'ils étaient vendus, allez, 750 euros, parce que du coup, ils seraient suffisamment loin de la 4070 Ti Super pour exister. Mais là, à l'heure actuelle, c'est juste, ça n'a aucun sens. Bon, après, c'est peut-être aussi LDLC qui a augmenté les prix. C'est fort probable. Donc, les performances sont là, les prix sont respectés, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Et il y a même des stocks. Maintenant, est-ce que vous avez d'autres options pour 650, 700 euros? Ben, en réalité, pas vraiment. La seule carte, évidemment, qui existe Nvidia vers ce prix-là, c'est la 4070, qui a un petit peu baissé de prix, mais voilà, déjà quelques temps. Et peut-être qu'elle va encore baisser plus de prix, parce que sa concurrente directe à la 4070 non super, c'est la 7800 XT, qui est moins performante, évidemment, qu'une 4070 super. Et elle est vendue 529, 530 euros. Donc là, Nvidia pourrait faire un petit peu plus d'efforts et mettre la 4070 encore un petit peu moins cher pour vraiment concurrencer AMD. Mais du coup, il n'y a pas vraiment de carte graphique AMD de 600 à 700 euros. Si on va au-dessus des 700 euros, on peut trouver la 7900 XT qui va certainement elle aussi baisser de prix parce que quand la 4070 Ti Super va sortir à 899 euros, il y a peu de chances qu'une 7900 XT soit encore vendue vers ces prix-là. Donc là, elle est déjà en dessous des 800 euros, facilement trouvable. Et il y a peut-être même des modèles qui vont aller encore plus bas. Mais ce sera toujours plus cher que la 4070 Super. Et si on regarde encore une fois les chiffres de performance, vous pouvez voir que la 7900 XT est plus performante, mais n'est pas non plus incroyablement plus performante. Donc, en gros, ça va donner une situation qu'on a déjà eu par le passé, où AMD a une carte juste en dessous de la 4070 Super, qui est performante pour le prix, mais qui ne concurrence pas vraiment la 4070 Super. Et puis, ils ont une carte au-dessus, qui est plus performante que la 4070 Super, mais qui coûte aussi plus cher. Donc, en fait, ils mettent en sandwich la carte sans la concurrencer directement. Et donc, ça donne une situation assez bizarre pour le consommateur où bah, il n'y a pas vraiment deux cartes au même prix, en fait. Il y a plus différentes gammes de prix. Donc, c'est assez particulier et ça complique un petit peu le choix. Mais moi, je dirais que honnêtement, si vous avez 659 euros, voire même vous pouvez aller monter jusqu'à 700 euros, la RTX 4070 Super est certainement le meilleur choix que vous pouvez faire. C'est une très bonne carte graphique, très performante, qui ne consomme pas beaucoup. Vous avez accès aux dernières technologies d'NVIDIA, qui ça fait pas de mal à avoir, même si vous ne les utilisez pas forcément. Vous avez aussi une carte qui sera future-proof avec 12 Go de GDDR6X. Donc même les jeux AAA d'ici quelques années, vous les ferez toujours tourner sans aucun problème. Et c'est une carte parfaite pour faire tourner d'ailleurs les jeux en 1440p. Donc franchement, selon moi, NVIDIA a fait un bon job. Même si, on va être honnête, la 4070 Super aurait dû être la 4070. Ils auraient dû sortir cette carte voilà un an et du coup déjà révolutionner le marché des cartes graphiques à ce moment-là. On va être honnête. Mais bon, ça fait quand même plaisir d'avoir une nouvelle option qui a du sens. Et d'ailleurs, selon les chiffres de performance, en tout cas aux États-Unis et le prix aux États-Unis, cette 4070 Super, il faut le savoir, vous donne pratiquement autant de performance par dollar que vous payez ou par euro que l'offre AMD justement pour la 7800 XT. Parce que la 7800 XT est moins chère, mais évidemment elle est moins performante. Donc en réalité, Nvidia est vraiment pas très loin de ce que fait AMD ici en termes de performance pour le prix. Donc ma foi, GG Nvidia. Et du coup, la balle est dans le camp d'AMD maintenant de peut-être baisser les prix ou peut-être sortir une nouvelle carte graphique qui se placerait entre la 7900 XT et la 7800 XT, même si je la vois mal. Le mieux, ce serait juste de baisser le prix de la 7900 XT. Et là, ils offriraient plus de concurrence. S'ils la mettaient en dessous de 700 euros,
ben là, ça ferait une sacrée concurrence à cette 4070. Super. Mais bon, ça, c'est une question pour le futur. En attendant, c'est la situation à l'heure actuelle. Je vais faire aussi une vidéo quand la 4070 Ti Super va sortir. Je n'ai pas de modèle de test, donc j'attendrai le jour de la sortie. Puis je regarderai un petit peu les chiffres de performance ainsi que les prix sur les sites. Et je vous guiderai là-dessus. Et en février, certainement, je vous ferai un guide d'achat de graphique quand ben, la situation aura évolué, quand AMD aura eu le temps de baisser leur prix, s'ils décident de baisser leur prix, et aussi quand les stocks se seront stabilisés de toutes ces nouvelles cartes graphiques. Comme ça, vous pourrez décider à ce moment-là. Je vous dirais d'ailleurs, si vous voulez acheter une carte graphique, d'attendre février, ça ne sert à rien de juste sauter sur l'occasion maintenant. C'est pas comme si les cartes graphiques allaient augmenter de prix d'ici février ou autre chose. Je vous dirais d'attendre un petit peu, ça ne fait pas de mal. Donc comme ça, vous pourrez faire un meilleur choix. En attendant, j'espère que vous avez bien apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un pouce bleu. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez laisser un pouce rouge. On se retrouve après une prochaine. Je vous dis ciao, ciao.